Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Undoxus the Skull of the First Sin dans le DLC Crown of the Frozen King. Coucou. Oh, t'as vraiment trop de vie toi, hein. On va aller récupérer nos âmes principalement et bah, peut-être aller faire le boss. Parce qu'en fait, je me rends compte que les boss de ces zones sont toujours l'un à côté de l'autre en fait. Avant, le boss était gardé. Là, de nouveau, le boss, il est gardé en fait. Il est gardé par un boss. Mais l'anneau. Bah, je l'avais déjà mis en fait depuis un petit moment. Puis il était toujours pas là, Sam. Donc j'ai abandonné. Ah. Oh, on va te faire foutre les couleurs. Mais les couleurs, on scanne tout de suite, s'il te plaît, le jeu. Ah d'accord, d'accord, je savais pas ça. C'est qu'il fait incroyablement mal en fait ce boss, plus qu'autre chose. Oh j'ai fait le dodge pile au bon moment. Coincé dans le corps du monstre. Je ne suis plus coincé dans le corps du monstre. Aïe. Les textures de ce boss sont très immondes hein, par contre quand on regarde. Très bien, j'ai bien mouru. Mais la fois où tu meurs, quoi? Je pense que ça veut juste dire Melano. Voilà. Minar Alma. T'es où? T'es pas là. Y'a pas ta marque. Bon d'accord, y'a ta marque. Voilà, je te réinvoque. Je vais remettre le chat. Hop. Voilà. Trop tard? Ouais. Ok. J'invoque Glenn. Je sais même pas pourquoi j'invoque les PNJ, ils servent tellement à rien. Bah, en même temps, plus on est de feu, plus on rit, hein, comme on dit. Hein. Mouais. Le problème c'est que ce boss te touchote un peu en fait. Moi il me fout deux coups, c'est bon, je suis mort. Hein. Bah moi c'est pareil hein, pratiquement. Alors, il est un petit chouïa trop puissant. Ouais, je sais clair. Là j'ai mis mon arme à plus puissance. Aïe. Aïe. Je suis passé par 60. Enfin ouais, je suis 60. Des fois, donc je me fais aussi l'électricité. Mmh. Ah, il me vise qui? Ah.
Il m'a bouffé. Voilà, là, je suis plus mal. Oula. Ok, ça va, heureusement il fait pas trop de dégâts quand il me bouffe. Non, j'ai pas vu, et c'est pas grave. Ah, bordel. Aïe. Bon, je fais mon rapia, j'utilise que mes gemmes de vie. Il est toujours devant lui, en fait. Bah, je vais mourir. Help. Mais non, tu vas pas mourir, regarde. Venir nous attaquer. Ah voilà. Tu vois. Il aime bien switch de cible. Aïe. Voilà. Enfin, il switch de cible quand il peut. Oui, non, mais c'est bon, je suis moi. Bonjour. Ah, d'accord. Bonjour. Attends, je vais mettre mon sort. C'est bon, on l'a mis midlife. Il est quasiment mort. Ou pas. Aïe. Aïe. Aïe, là je suis bien là. J'ai mis mon sort génie. Ça permet que. En fait, si je prends. Si je normalement. Ça permet que tu t'en prennes plein la gueule. Bats-toi. Bah. Là pendant 2 secondes, il a freeze sur place. Le boss, il était en mode je fais quoi. Après, tu m'aides à faire la zone. On verra. Mais là, pas pour ce soir parce que. Faut que je fasse d'autres vidéos, comme je l'ai dit. L'espadon est à critique. Mais oh, pourquoi non, tous les ennemis me pètent mon espadon? C'est quoi cette merde là? Oh non. Oh non. Faut que je change d'arme. Pourquoi tous les ennemis de ce DLC te pètent l'arme? Voilà. Ah bah voilà. GG. Attends, t'as l'espadon du clair de lune et tu l'utilises pas? Mais t'es bizarre toi. Genre la meilleure arme. Non. Non mais là en fait je suis pas magie, moi je suis plus ténèbres et truc quoi, tu vois. Oui. I'm darkness. Ne s'ouvre pas de ce côté, suce-moi le jeu. Alors, option de jeu. Limité, limité. Non, attends, non. Ça, je le limite pas. Ça, je le garde. Autorisé, voilà. Non, je veux pas que. Je veux pas interdire les gens d'autour du monde de venir jouer avec moi. Y'a quelqu'un qui a mis sa marque. OG! Vous ne pouvez pas invoquer pour le moment. Ah oui. Faut d'abord que j'aille faire du blabla. Alors si je pourrais invoquer. Vous ne pouvez pas invoquer maintenant. Ah là là. Bonjour madame, je viens vous parler. Faisons du blabla. Ta mère. Pas de bol. Manus. C'était lui, Ivory King. Ah non, c'était l'autre Ebony King. Et nous aussi, on va plonger dans le chaos. Et ce boss, il est magnifique. Très bon boss. Bon, il est nu à chier, mais il est génial. J'adore l'endroit où on le combat. Quelle flamme. Hmm.
Ok. Oui. Q. Elle a ouvert le chemin, maintenant je peux invoquer des gens. Check dans l'invocation, la marque est disparue, chiche-moi. Toi, je t'invoque. DG, sale pute. Rien à branler. Je vais juste invoquer des gens et on va faire le boss. Pas sûr qu'on le réussisse du premier coup, par contre. Il est assez... assez balèze, hein, comme boss. Je vais essayer d'invoquer un maximum de frères du soleil. Échec, parce que j'ai pas eu le temps de lire. Enfin, j'ai pas lu. La marque a disparu. Suce-moi. Le mieux, c'est qu'il faut que je clique sur la marque pour que le jeu me dise « Non, mais la marque a disparu !» Fait à disparaître, alors. Coucou copain, on y va. Oh, j'ai entendu une marque. Je t'invoque aussi. Plus on est de fous, plus on rit, on sera 4. 4, je crois que c'est le max. Hein. Ouais, je crois que c'est le max. Cet homme va venir nous aider, je crois. Oui, il va venir nous aider. D'ailleurs, il y a moyen d'en avoir plus qui viennent nous aider, mais je sais plus comment on fait. En fait, plus t'en as et plus ils scellent les zones. Et mieux c'est. Ancien chaos. Et professeur, chaos. Donc là, il y a une zone qui sera scellée dès le départ. Enfin, qui sera scellée dès qu'on aura tué un ennemi, en fait. Oh là, j'ai mal. Je vais mourir, je vais mourir. Alors, on a une zone de moins. On est bon. Je crois qu'il devrait y avoir le boss là, non? Le boss. La porte de l'Oblivion. Il est tellement badass. Cette entrée en scène, digne d'un Sephiroth. Bon, par contre, la démarche. Bon, je le rate, mais c'est un détail. Bon, il me fait aussi très mal, mais comme je vous l'ai dit, détail. Par contre, arrête de te prendre pour un Orochi. Arrête de faire retour arrière, fonce sur l'ennemi. Faut peut-être juste attaquer le boss, les gars.
Ah oui, c'est vrai que c'est ça c'est le serpent de feu. Il te suit le machin. Ah oui, la grosse épée. J'avais oublié ce détail. Je sais pas comment j'ai fait pour l'oublier. Un petit peu gros pour l'oublier, ça. Oh, j'ai mal. Mais s'il me refocus, je suis dead. Bon, pour l'instant, on le gère. À peu près. Ok, il se prend pour un ninja. Tu n'es pas une Janine. J'ai mal. Je prends ça. Il m'en veut! Il y a tellement de monde sur ce fight, vu qu'on avait qu'un seul des chevaliers pour sceller la porte. Et en fait, pour avoir les autres chevaliers, il faut explorer le level à mort. Tu es là, il est mort. Oui, on l'a gagné. Praise the motherfucking sun. Ma gueule. Ça c'est à moi. You win. Et je sais plus où est notre ticket de sortie, je crois que c'est ça. Ah non, il est là notre ticket de sortie. C'est beau, putain. Eh, hey, c'est pas beau ça, c'est pas beau ça. Hein? C'est pas beau ça. Osez me dire que c'est pas beau ça. Osez me dire que cet endroit n'est pas juste magnifique. C'est beau cet endroit, bordel de merde. C'est beau. C'est pour ça qu'on aime Dark Souls. Cette porte n'est pas du tout inspirée des portes de l'Oblivion. C'est ton droit non plus d'ailleurs. Pas inspiré de l'Oblivion. Je vous assure. Je vais même sortir avant Oblivion. Ouais, moi et trois autres mecs. Hein. Cool. C'est pas bien. I was born in the dark, molded by it. Ce Bane de film, la voix de merde. Qui étaient les autres éclats? Vous voyez les petits trucs qu'il y avait dans l'esprit, enfin vers Manus, l'espèce de petite forme immonde. Elle en était hein, au départ. Ah, du coup, il n'y a plus de chaos, donc tu peux te casser.
Bon, d'accord, tu veux que je les libre, je les libère aussi. Ok, tu sais me faire chier, toi. Mais du coup, nous allons nous arrêter là. Et on a masse d'âmes, ça c'est bien. Donc, merci à tous beaucoup d'avoir suivi. On nous a fait deux petits DLC, là, c'est pas mal, hein. Bon, il n'est pas fini, hein. Il y a un autre boss annexe qui est beaucoup plus sympa que le boss annexe de Sunken King. Parce qu'il y a une toundra gelée par laquelle on doit passer, c'est génial. Donc celui-là, on le fera et on ne l'abandonnera pas, je pense. Allez, du coup, merci à tous beaucoup d'avoir suivi et à la prochaine. Bye bye.